Les travaux du projet d'Urquap au quartier Culotte s'exécutent normalement. L'absence de grandes pluies ces derniers temps facilite l'exécution de ces travaux au grand bonheur des populations. L'état des travaux, ça a commencé timidement. Nous constatons vraiment que les choses commencent vraiment à évoluer à pas de gens. Tout le monde est content. Surtout, je crois qu'ils ont déjà, progressé à presque 82%. Je tiens à quartier où vraiment se moquer de nous aujourd'hui. Vraiment, voilà, le quartier Culotte est devenu aujourd'hui le quartier veste. Tu peux sortir en veste, il n'y a plus de problème. Avant, c'était vraiment, il faut partir là-bas, tu enlèves les chaussures. Et aujourd'hui, vraiment, ça va. Toutefois, certains habitants de ce quartier s'inquiètent du manque d'éclairage public. Vous avez arrangé la route. Maintenant, ce sont les lampadaires qui manquent. Il faut revoir encore la lumière parce que les autres lampadaires sont déjà épuisés. L'un des ouvriers de l'entreprise qui pose les dallettes estime que le travail avance bien en cette période et pourrait prendre fin d'ici là. On est en train d'entreprendre les travaux avec Razel. Donc les travaux vont vers la fin. Vous regardez vous-même le travail, comment ça se passe. Là, nous partons vers la fin. Les difficultés étaient au départ. Quand il y avait la saison de pluie, on avait des difficultés pour avancer les travaux. Mais dès lors que les pluies, il n'y a plus de pluie, abondamment, les travaux avancent normalement. Si le 25, je crois, ça va finir. Vivement que ces travaux prennent fin pour redorer le blason du quartier Culotte et requinquer le standing de vie de ces populations.